مشتركي صبوراني دونك نصلح لكم دي زوتر اكزرسيس على شابتر 1 كونستيتيسيون دو لا ماتيير دونك نبدا بالاكزرسيس الاولاني Dans le rayon cosmétique d'un magasin, il y a deux marques pour un même composé organique nommé acétone. L'une des marques est 100% incolore, alors que l'autre est de couleur rose. Donc, définir les termes suivants. Corps pur organique, corps pur inorganique et mélange. نزيد نأكد إنه في البارتي هذه راهو كل هذه ديفينيسيون يزم تحفظهم كيف ما هما راهو devoir de contrôle numéro 1 presque 30% ou la 40% de devoir des définitions. Avec Alège, donc, une comptabilité par cœur. Donc, on a toutes les définitions, les hashtags bien pour l'exercice, ou les hashtags définir donc un corps pur. Bon, moi, tout le prof aux définitions les plus comme mais généralement, tout le monde est sur finesse. Donc, la définition, un corps pur est constitué. D'une seule matière. حاجه اخرى انا لهنا نعطي فيكم دونك في الباز نتاع لي ديفينيسيون فما دي بروف يحبوا في الدوفوار تحطوا لهم الديفينيسيون اللي هو عطيه لكم في الكور دونك ما فيها باس تحفظ الديفينيسيون نتاع البروف نتاعك انا الديفينيسيون لهنا ان كور بور اي كونستيتوي دون سول ماتيير عطيتكم الباز نتاع الديفينيسيون نتاع ان كور بور اوكي فوالا دونك ان كور organique. Donc est constitué essentiellement du carbone, fil carbone. Voilà. Il y a C, symbole de carbone. C'est OK. Donc, n'attendez les définitions les bases, on lit un corps inorganique. Donc, corps organique fil carbone, un corps inorganique ne contient pas généralement du carbone. OK. Donc un mélange, on va aller définir aussi un mélange donc est composé au moins de deux constituants. في على القليلة زوز مكونات. هذا هو الميلونج معناتها المزيج. Voilà, donc n'attendez pas les questions les barres de choisir les termes qui décrivent la marque 100% incolore. Donc, les nez, je m'en ai 100% incolore. C'est-à-dire, c'est un corps pur inorganique. Okay? Donc, 100% incolore, c'est un corps pur inorganique. Donc, le produit incolore, donc, est un corps pur. Inorganique. OK? Donc, pas de question de bad. Pour enlever le manucure, les filles utilisent l'acétone, car l'eau ne nettoie pas le manucure. OK? Comment distinguer à l'œil nu un mélange homogène et un autre hétérogène. Donc, l'hérné est bien sûr un mélange à l'œil nu. On ne peut pas distinguer les constituants d'un mélange homogène. Par contre, pour un mélange hétérogène,
Donc, au moins deux de ces constituants est visible. نجمو نشوفو على القيلة دو فاس. Donc, nommer le type de mélange formé par acétone plus manucure. Donc, acétone plus manucure, c'est un mélange homogène. Et l'eau plus manucure, c'est un mélange voilà, l'eau plus manucure, c'est un mélange hétérogène. Mais tout, je m'en vais. Okay. Prévoir le type de mélange formé par eau plus acétone. Donc, le mélange formé par l'eau plus acétone est un mélange hétérogène. Voilà. Allez. L'acétone ou le manucure homogène. L'eau et le manucure hétérogène. Donc, l'eau et l'acétone, puis hétérogène. Voilà. Donc, pardon, l'exercice les barda. On verse dans un tube à essai 3 ml d'eau et 1 ml d'huile d'olive et on agite. Le tube est formé avec un bouchon, est fermé, pardon, avec un bouchon pour pouvoir l'agiter. Puis, on laisse reposer l'ensemble. Mais avec l'huile d'olive, زيت زيتونة ودونك وحطهم دون زان توب ايسي سكروا بوشون اي اعمل اجيتاسيون حرك لهنا اوكي دونك شنو باش يصير بعد خلاه يرتاح شوي نومي لو تيب دو ميلونج دونك سي ان ميلونج هيتيروجين قلنا له الماء والزيت يعطينا ان ميلونج هيتيروجين علاش على خاطر لو بلس لويل شبيه هذوما ne sont pas miscibles. Mettre le touche, ma brave. Préciser en justifiant le nombre de phases présentes dans le mélange. Donc, le mélange, nous, puisqu'on a dit que des chemins phases. Mais, là, que je suis. Là, on a 3 ml d'eau et 1 ml d'huile d'olive. Mais, donc, le nez, dans un tube à essai. Donc, les neiges, nous pouvons tracer. Nous pouvons tracer dans la deuxième phase. Nous pouvons tracer dans la troisième phase. Il y a l'eau, l'huile, ou la phase de l'air. Voilà. Donc, les neiges, nous pouvons tout schéma, il est schématisé. Donc, nous pouvons dans un schéma. Ah, ou tu veux me dire. Bien sûr, ou haka sacrum les neiges. Donc, on dit. 3 ml d'eau. Voilà, donc les nez ont dit l'eau. Ok. 1 ml d'huile. Donc l'huile zit, bête vert, j'ai les nez. Le reste va être l'air. Voilà, ça c'est l'air. Donc, tu as sauté les 3 phases. Voilà. Donc, nous avons l'exercice, la série. Dans chaque des tubes, on effectue les mélanges suivants. Tube à essai 1 contient un mélange d'eau et d'alcool à brûler. Tube à essai 2 contient un mélange d'eau, d'alcool et d'huile d'olive. Voilà. Nommez le type de mélange ainsi formé dans chaque tube. Donc, le type de mélange formé dans chaque tube. Donc, l'eau et l'alcool. Donc, c'est un mélange homogène. Voilà. Donc, homogène, pardon. L'eau, l'alcool et l'huile d'olive. Donc, on dit vous dites hétérogène. Ok. Donc, l'année hétérogène. Voilà. Complétez le tableau ci-dessous. Donc, l'eau et l'huile, est-ce que sont miscibles ou bien non miscibles? Voilà, donc non miscibles. L'eau et l'alcool, miscibles. L'alcool et l'huile, non miscibles. Mettre à la touche. Déduire le nombre de phases si on agite le contenu du tube à essai 2, puis on laisse reposer l'ensemble. Ben, tube à essai 2, il est quel est le nombre de phases à la phase. Donc,
Si on agite le contenu du tube à essai 2, le nombre de phases devient 2. Les phases de l'année, il y a l'eau, l'alcool. Donc, si tu as le temps de boire l'eau, l'alcool, mes cibles. Ou la phase de l'année, tu peux aller zit. Donc, l'année, je trace deux phases. نجم لهنا نصور لكم هكا دونك عندي الفاز الاولانيه فوالا اللي هي هذه دونك قلنا لو في الكول والفاز الثانيه لهنا اللي هي الويل تو سامبلومون على خاطر لو الكول ميسيب اللي تخلطوا مع بعضهم مي الويل والويل والكول ما يتخلطوش والويل والماء ما يتخلطوش فهمنا فوالا دونك هكا نكون كملت لكم سيري ديكزارسيس تابوني على سابورانيت كان عندكم اي استفسار تنجموا تتصلوا اداره المنصه